les cuisines familiales produisent beaucoup de déchets alimentaires, dont 95% finissent à la décharge au lieu d'être compostés. Pour éviter toute forme de gaspillage, il n'y a pas de meilleure solution que de bien conserver vos aliments, le plus longtemps possible. Mais comment faire? Cette astuce étonnante que nous allons vous dévoiler est la réponse. Le pouvoir magique d'une boule d'aluminium dans le frigo. Qui l'aurait su? Installer une boule d'aluminium dans votre réfrigérateur permettrait de mieux garder vos aliments sur le long terme. Même les techniques Feng Shui le confirment. Pour l'expliquer, il faut savoir que l'aluminium est un très bon conducteur de chaleur, qui va produire plus d'énergie grâce au reflet de la lumière du frigo. Cette astuce permet donc à l'air froid de mieux circuler et de favoriser un bon système de refroidissement. Non seulement, les aliments stockés profitent d'une température plus homogène, mais le réfrigérateur lui-même sera légèrement plus économe en énergie. Toutes ces propriétés expliquent également pourquoi une boule d'aluminium est souvent utilisée dans un lave-vaisselle. Elle contribue également à un meilleur séchage des couverts, ainsi qu'à la réduction des tartes. Autres astuces pour garder les aliments frais plus longtemps. Mettre des serviettes en papier dans le tiroir à salade. En tapissant votre bac à légumes de quelques feuilles de papier absorbant, vous absorbez la condensation que les légumes produisent lorsqu'ils refroidissent. Effectivement, l'excès d'humidité peut faire flétrir vos aliments frais beaucoup plus rapidement, donc le papier les garde frais plus longtemps. En bonus, cette astuce garde aussi votre réfrigérateur plus propre sans aucun effort supplémentaire. Ne séparez pas les bananes avant de les manger. Enveloppez les tiges des bananes dans du film alimentaire lorsque vous les achetez pour la première fois, et ne détachez l'une d'entre elles que lorsque vous êtes prêt à les manger. Cela devrait vous permettre de profiter pendant 3 à 5 jours supplémentaires de bananes parfaitement mûres. Mettre une pomme dans un sac de pommes de terre. Les pommes de terre germées sont au sommet de la liste des aliments à consommer. Il s'avère que le meilleur moyen d'éviter qu'elles ne se transforment en déchets, c'est de garder une pomme dans le sac. Les pommes produisent du gaz éthylène, ce qui permet aux pommes de terre de rester fraîches et fermes, et d'être prêtes à être transformées en purée pour quelques semaines encore. Lavez les baies fraîches dans du vinaigre avant de les mettre au réfrigérateur. Certains gastronomes ne jurent que par le lavage des baies fraîches dans du vinaigre pour éliminer les bactéries, à partir desquelles la moisissure finira par se développer. Commencez par tremper les baies dans une solution d'eau et de vinaigre, séchez-les soigneusement sur du papier absorbant, puis conservez-les dans un récipient hermétique tel qu'un bocal. Les baies devraient rester fraîches pendant environ 2 semaines. En revanche, la plupart des autres fruits ne gagnent pas à être conservés dans un récipient hermétique. C'est la fin de cette vidéo magazine. L'équipe des Dénicheurs vous remercie de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à mettre un j'aime à la vidéo. Le contenu vous a été utile? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus similaires. À bientôt sur lesdénicheurs.net.